Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau live sur Against the Storm. On va se lancer dans une nouvelle colonie. Vous avez voté lors du dernier live pour me foutre dans la merde en prenant que des clairières interdites. Que des clairières interdites, je crois que j'ai jamais fait de clairières interdites en plus, même dans les parties normales, donc ça va être la violence. Mais on va tenter ça. On va partir avec des castors pour le coup, histoire d'au moins avoir de quoi brûler du bois à foison. On va prendre du rab de nourriture, puisque si on a, on n'ouvre pas de clairière tout de suite, et ben on sera content d'avoir un petit rab de nourriture. On reste en pionnier sur les difficultés. Une colonie, le nom, je mets toujours le nom par défaut. Et on est parti, on va voir un petit peu ce que le jeu nous propose. Alors, les terres interdites. C'est reparti pour un tour dans la tempête, Kenton, exactement. Et en plus là, ça risque d'être la violence là. Alors, on a renaissance du sol. Les dépôts de ressources épuisées pendant la bruine font apparaître du sol fertile. Oh, ok, pourquoi pas. Et là, il semble que certains habitants de la forêt souhaitent vous remercier. Pendant la bruine, chaque événement de clair dangereuse ou interdite résolu vous octroie 30 unités de nourriture crue aléatoire. Ok. Et en négatif, on a la grêle. Donc 5% de chance de crever, sauf s'ils ont un hébergement, ça devrait aller. Tempête de famine. Si vos villageois n'ont rien à manger pendant leur pause, ils reçoivent deux occurrences de l'effet famine, qui est certainement un truc bien pourri. Et le déluge. Les villageois affectés par cet effet ont 50% de chance de consommer deux fois plus de nourriture. Il faut qu'ils aient de l'hébergement et des services. Waouh, la vache. Bon, ça c'est niveau d'hostilité 4, donc on n'y est pas encore. Ok, puis bah du coup on a eu un setup classique. Et donc on a que des clairières interdites. Oh la vache, la violence. Et on démarre avec du champ de lin. Des petites... un peu de bouffe là, on a des champignons. Des baies. Et des escarglisses. Ok. Et là des racines. Donc on en a deux qu'on peut ramasser avec du d'un camp d'herboristerie. Un avec un petit camp de chasse et un avec un petit camp de cueillette. Donc on a quand même un petit peu de nourriture avant de devoir ouvrir ces saloperies de clairière. Je pense qu'on va voir, mais à mon avis on n'en ouvrira pas avant la première année. En plus on n'a pas de ressources avancées, donc il y a peu de chances qu'on puisse faire les événements négatifs. On va regarder un peu ce qu'on nous propose comme plan. La briqueterie, la scierie, le four à céramique ou le fumoir. Alors, les castors. Les castors, ils ont besoin de manteaux, de loisirs, d'éducation, d'aliments saumurés, de biscuits, de luxe. Ok, donc du coup, le fumoir, c'est pas forcément une priorité. Je pense qu'on va partir sur la scierie. Un tailleur pour faire des manteaux, ça peut être pas mal. Un camp de chasse avancé. Ou l'atelier. Non, l'atelier, on a déjà ce qu'il faut pour les manteaux. Des baies et des fibres de plantes, ça nous permettrait de faire éventuellement du tissu et des biscuits. Ça, on va certainement avoir des trucs géants aussi. On va prendre le grand camp de chasse. Il y a des bonnes chances qu'on tombe sur des escarglisses grands. Ok, alors, déjà, pour commencer, du bois. Du bois et du bois ici. Voilà, on va commencer par ça. En avant. On va aussi faire les premières routes. Histoire de
d'avoir personne qui glande, hein, parce que j'ai pas l'impression qu'on va avoir trop l'occasion de glander dans cette partie. On va faire un petit camp d'herboristerie. Parce qu'on a quand même de quoi ramasser là. Hop. C'est parti. Alors du coup, on va en mettre deux là, on va en mettre deux là. On va leur demander de faire un petit peu de place. Ça, c'est trop loin. Non, pas ça, c'est ça. Hop. En avant, on va en mettre probablement un ou deux à ramasser de la bouffe. Il semble avoir quand même un petit peu de râpe de nourriture. Tiens, on a eu des tartes. Cool. Sauf que c'est pour les humains. Pas de chance. Il va nous falloir aussi quand même quelques maisons. Ils sont 8, donc il en faut 3. Oh la vache, que des clairières interdites partout quoi. Ça va être la violence. On va souffrir. Alors c'est possible qu'on ne gagne pas la colonie, hein. On est à 0,23 par minute en plus d'impatience. Alors lui il fait quoi quand il est là? La vitesse de consommation du combustible est réduite de 20%. Ok, pourquoi pas. Alors un pilier. 32 viandes à chaque fois qu'un villageois meurt ou quitte la colonie. Ah bah voilà, on en parlait lors de la session précédente. C'est possible d'être cannibale. Alors, 10 viandes séchées pour chaque production de 10 de tartes. Ça c'est pas mal. Bon, je suis pas parti de faire des tartes tout de suite, mais ça sera utile. Alors, 35 chemins, plus de vitesse sur les rues, c'est pas mal. Des planches et on gagne des ressources bonus. On va prendre ça, on va partir sur les bonus passifs si possible. Des ballots de provision, des ballots de culture, pas mal de monde. Et là on a quoi? Ballots de culture plus 100 à la production. Et plantage des cultures plus 25%, c'est pas mal, surtout que c'est pas cher hein, le ballot de culture. Deux événements à résoudre. On gagne des pelles en acier, du fouque flamme, un coffre de charbon, ou alors la résolution des castors au-dessus de 18, on a deux castors. 30 racines et des composants. Ils sont à combien nos castors là? 10. 10, on n'a pas particulièrement de raison. Ils apprécient l'ingénierie, ouais. Ouais. Ah, ça, on va forcément le faire, donc on va le prendre. Je sais pas si le minerai de cuivre va nous être utile. Est-ce qu'on a, on a moyen d'en avoir? C'est où déjà qu'on voit notre carte? Je sais plus. Parce qu'on peut le voir quand on a un plan à choisir, il nous montre les trucs qu'on a, mais je sais pas si on peut le voir sans. Alors il nous manque un chemin. On va faire un chemin vers là. Hop. Allez, faites des maisons. Déjà, ça va nous permettre de monter un petit peu la résolution, même si je pense pas que ça aille jusqu'à 18. Ici on va en mettre deux, on va garder un bâtisseur. On va aussi essayer de faire monter assez vite le niveau là. Donc on va mettre des petits bons ici. Hop, voilà. Voilà, on va en avoir pile 8 qui vont être hébergés. C'est parti. Donc ici on pourrait ramasser de la fibre de plante, mais c'est pas une priorité. On va pas se mentir. Là on va mettre la priorité là-dessus, parce que si on termine la mission, on va avoir direct le bonus pour qu'il se déplace encore plus rapidement, donc autant pas s'en priver. Je trouve que la musique est un peu forte, c'est peut-être parce que j'ai monté mon casque, oui j'ai monté mon casque. Et salut Buzz727, bienvenue sur le live et bonne année, je ne t'ai pas vu encore aujourd'hui, j'espère que ça va bien. Hop là. On a droit à un plan, un scribe, pas tout de suite, une tisserie. Pourquoi pas une pourvoirie, farine, tonneau, ballot de provision.
Plutôt des bottes culture qu'il nous faudrait. La tisanderie, ça pourrait être pas mal, hein. La presse, ouais. Et donc là, du coup, on n'est pas censé avoir de cuivre, hein. Ouais, on n'est pas censé avoir de cuivre dans cette zone, donc tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. J'hésite, hein. Je pense qu'on va prendre la pourvoirie qui est assez équilibrée. Comme ça, on aura déjà de quoi faire des ressources un peu avancées. Et de toute façon, avant, il va nous falloir d'autres personnes. Hein. Donc il va falloir qu'on tienne au moins un an. Donc, déjà qu'on a que deux personnes là et là. Donc heureusement, c'est des castors et en plus on a le bonus de la zone. On va essayer de la première année de se stabiliser, on commencera à ouvrir des clairières plus tard. Je pense qu'à mon avis si on en ouvre déjà une par an, ce sera bien. L'avantage c'est qu'on a quand même de la place avant d'avoir à ouvrir des clairières, ça c'est plutôt cool. Ah mais si, il y a du cuivre là. Ah non, c'est de l'argile. C'est de l'argile, pardon. Merci Buzz, c'est très gentil. Allez, une maison de plus, et on aura tout le monde qui sera hébergé. Ça c'est considéré comme de l'alchimie ça, ok, donc ce serait pour les harpies. Ils font un petit peu de résine, très bien. Allez, c'est la calmie. On a bientôt terminé nos maisons. Non, les castors sont efficaces, mais leur résolution, elle est hyper haute. Hein. Faut qu'ils aient 30 pour commencer à faire de la réputation. Ça, c'est le petit inconvénient des castors. Allez, on va faire la dernière maison. Voilà. 87, 90. Et derrière, il va pouvoir s'occuper de faire les bancs, comme ça. Et dès qu'on aura les bancs, on passera au niveau d'après là. Et on aura déjà un petit bonus supplémentaire. On va faire avancer direct. Puis on va faire des chemins aussi. Vu qu'on va avoir des bonus de route. Alors là du coup j'ai fait un chemin qui va par là. Donc si on fait mettons un bâtiment là. Un autre bâtiment là, ce serait ici. Hop. Comme ça notre bâtisseur il a du travail, il s'ennuie pas, il fait ses petits bancs pour l'instant. Je pense qu'on va ouvrir cette clairière là, elle a l'air d'être assez spacieuse, facilement accessible dans la continuité là, avec pas trop de distance de bois à couper pour l'ouvrir. On devrait pouvoir l'ouvrir assez facilement au début de la bruine. Ok, hop là, voilà, lui monte de niveau, le petit bonus de résolution qui va bien, on passe à 15, c'est pas ouf mais c'est déjà ça. Et là on voit la différence, hein. Ils vont carrément plus vite sur leur petite route, ça fait plaisir. Du moment qu'il ne fait pas banqueroute, il fait des bancs et des routes. Mais pour l'instant, il reste en vie en tout cas. On n'a pas pris l'amélioration cannibale, donc... ce qu'on va peut-être construire tout de suite, c'est ça aussi. Le comptoir de commerce. Alors il nous faut 14 personnes avant de commencer à s'attaquer à ça, donc pas de stress.
Le comptoir de commerce, c'est vrai que s'il est assez rapidement fait, ça va faire venir des gens, enfin du commerce rapidement, et ça peut sauver la vie quand même. Même si pour l'instant on va avoir des ressources assez basiques. Ouais, ils ont déjà bouffé la moitié quoi. Bon, on a l'escarglisse après, et les racines, même si voilà, les racines ça reste des racines. Hein. C'est pas avec ça qu'on va se nourrir. Est-ce que je peux leur désactiver les tartes ? Ouais. Cette espèce ne consommera ce type de nourriture qu'en derrière cour. Ah bon, on va lui laisser du coup. Comme ça au moins il s'en fout. Donc c'est pour ça, ils vont les manger que si vraiment il n'y a rien d'autre. Parfait. Je voulais les garder pour les humains éventuels, donc... comme ça c'est plus simple. Là c'est bien parce que notre foyer est bien placé, les centrales, donc on va pouvoir assez facilement poser nos maisons. Et c'est la tempête. C'est parti, bim. Ténèbres grandissantes. Elles sont pas bonnes les carottes. Bah c'est même pas des carottes hein, c'est vraiment des racines quoi. La racine genre la racine. Alors, je pense que là, on va commencer à travailler. Alors, est-ce qu'on peut le caser? Non, il y a les bancs, on peut pas le caser. On va commencer à travailler sur ce bois là. Voilà, on va faire juste une petite ligne comme ça. Comme ça on pourra l'ouvrir facilement dès que ce sera prêt. Alors les routes commerciales. Du cuir ou des brochettes? Non, des légumes ou des articles cosmétiques? Non. La résine? On n'a pas de ballot de provisions. Du charbon ou des herbes. Ok. Pour l'instant, c'est pas trop le thème. Nous déjà, on va essayer de survivre. Allez, coupez-nous ces arbres. Pas de pitié pour la forêt. On vous rapproche. Hop. Bon, la première année, ça va. Pour l'instant, ça va. On va pouvoir leur demander d'aller un petit peu plus loin. D'ouvrir, si possible, rapidement. Cette forêt. Alors, c'est parti. Des nouveaux arrivants. Quelques lézards. Un lézard, c'est bien. Pour pouvoir le mettre en... ici au foyer. Hop. Et un pilier, commerce protégé. Le taux de production globale est 50% plus rapide, mais le commerce n'est pas disponible. Ça c'est chaud quand même. Là, la forêt se replie devant les caravanes. Réduit l'hostilité de moins 15 quand on vend des trucs. Je pense qu'on va reprendre le commerce protégé plutôt. Alors, il nous faut une maison. Une maison supplémentaire. Hop, voilà, c'est parti. On va pouvoir, du coup, peut-être... attendre que toi t'aies terminé ça. Hop. Et mettre un humain dedans et on va rajouter un castor là. C'est parti. Au travail. Et lui du coup il est direct super content. Comme ça il va nous générer un petit peu de résolution. Même si c'est léger. Un petit peu de réputation, pardon. Ouais, 0,01 par minute, c'est très léger, mais c'est toujours ça.
Alors, on a deux humains. Est-ce que le camp de... C'est un camp de récolte qu'il faut pour ça, ouais. Attends, c'est gros. Est-ce que c'est de l'agriculture, ce truc? Peut-être. On va poser un humain dedans, histoire de... Voilà, maintenant qu'il y a une maison, il va être à 21. Alors, notre première clairière. Qu'est-ce qu'on a de beau dedans? Avant-poste d'hommes-poissons. Donc, dans 10 minutes, les hommes-poissons sont assez petits et fourbes pour se fouiller dans une colonie. Les villageois ont 25% de chances de périr après avoir consommé un aliment. Ah la vache! Et Rosikino, ouais, t'arrives pile au bon moment, on vient d'ouvrir notre première... On a passé la première année et on vient d'ouvrir notre première clairière juste au début de l'année d'après. On a absolument pas ce qu'il faut pour le faire. La nourriture crue et cuite stockée dans le repos disparaît à autour de 4 unités toutes les 10 secondes. Putain. Chaque arbre abattu vous rapproche d'un poisson, vous avez moins 2 à la résolution globale chaque fois que vous abattez 7 arbres. Ok. Donc il faut qu'on chope 20 résines rapidement. Donc on va l'afficher, voilà. Dès qu'on a 20 résines, on se lance dans ce truc là. Alors les autres qu'on a c'est quoi? Des outils simples, on n'en a pas. Et là, des outils simples, on n'en a pas. Donc de toute façon, ça, on peut rien faire pour l'instant. Et alors au niveau des trucs bien qu'on a eu, quand même. Des grands champs de lin, des petits brocolis, des petits champs de lin. Ouais, mais c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf non plus. On va pas se mentir. Alors maintenant, vous allez me couper tout ça. Hop. Donc il faut qu'on essaye de faire ça. Ça va prendre 4 minutes si on met 2 personnes. Ça prend 3 minutes, ok. Donc il faut qu'on essaye de le faire dans les 7 minutes quoi. Ici, on va foutre un humain à commencer de ramasser quelques fibres de plantes. Et là, c'est quoi le problème là? Il n'y a plus rien à ramasser avec ça. Il n'y a plus rien à ramasser avec ça. Bon, on va te poser là, bâtiment. Et du coup, on va... Ah, mais ça, c'est de la... Du champ agricole, ça. J'avais pas vu. Ah, mais si, c'est parce que quand on le termine pendant la bruine, ça se retransforme en champ agricole. Ça, c'est cool. C'est pas si mal, en fait. Bon, pour l'instant, on peut pas l'exploiter. Donc, ce qu'on va faire... C'est un camp de chasse, plutôt. Et vous... Hop, vous irez chasser. Histoire qu'on ait quand même de la nourriture, surtout que ce truc là va nous les bouffer. Allez, on a 18 de résine, faut couper des arbres et me faire de la résine là. Démerdez-vous. En train de livrer. Ok, il y a 2 résines à livrer. On a un négociant qui est arrivé. Alors, si on voulait des outils pour faire nos trucs, genre ça, ça nous donne quelques trucs, pas si mal. Il faut 10 outils. Wow, 10 outils, et là, 14 outils. Oh, putain, 10 outils, on pourra jamais s'acheter 10 outils, c'est mort. 23. On a beaucoup de bois. On va devoir arrêter d'en couper pendant qu'on fera le... Pendant qu'on fera l'événement. On a un pas mal de bouffe quand même. Le bois, il le vend 0,06 quoi. 0,20, 0,20, 0,20, 0,20, tout est à 0,20, 0,31, 0,14. Elle nous donne une fermette. À défaut d'outils, est-ce qu'on peut viser une fermette? Non, ça sert à rien. Les pierres. Les pierres, ça fait 1,40. Oh putain. Non, je pense que pour l'instant, on va noter qu'elle est là, mais ça ne nous est pas utile.
Allez, ici, go, toi au travail, toi au travail. Faut ramasser de la bouffe là. On a 20 résines, c'est parti. 20 résines, hop, hop, vous, on va devoir vous enlever, donc on va laisser finir ceux qui sont en train de faire un truc. Les autres, on va les sortir. Voilà, toi, tu t'arrêtes. Toi, tu t'arrêtes, toi, tu t'arrêtes. Qu'est-ce qui se passe? On peut choisir des missions, parfait, voyons voir. Posséder au moins un relais, améliorer à l'étape campement. 12 boîtes d'outils. Mais est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? C'est ça la question. Là, on est à l'état campement. Ah bah ok, oui, on peut complètement faire ça. On l'a même déjà en fait. On va le prendre et on va le livrer. Et on a nos outils. Ça, ça fait plaisir. Et là, des articles de luxe ou 5 routes commerciales et vendez de l'ambre. Alors, on gagne quoi? Plus de farine ou plus de gourdes. On n'a pas vraiment moyen de faire du cuivre, du cuir, pardon. Donc on va prendre ça. Il va falloir qu'on commence à travailler un petit peu sur nos possibilités de fabriquer des ressources. On a de la boulangerie. On pourrait faire un moulin pour faire de la farine de manière efficace. Ou directement à la taverne. Sachant que la taverne... Là on a un truc où il faut des services pour que ça s'active pas, mais bon c'est au niveau d'hostilité 4 donc c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, c'est pas tout de suite. On a déjà un bâtiment pour faire de la farine, même si c'est pas idéal. Il est qu'à 2 alors que celui-là est à 3. Je pense qu'on peut partir sur une petite boulangerie. Mais avant, il va falloir qu'on fasse une station de travail primitive. Hop, pour commencer à faire un petit peu de... Mais je l'ai pas lancé, putain, je l'ai pas lancé. On veut ça, c'est parti, go. En avant les gars. Je me disais, il y a le petit point d'exclamation là, c'est pas normal. Donc là, on perd 4 de nourriture toutes les 10 secondes. Comment ça va piquer? La violence de cet éventre. Ouais, on va mettre 2 comme ça. Ouais. Allez, c'est parti. Des briques. Là, du bois. C'est pas idéal, mais au moins on va faire notre première planche. Alors du coup, par contre, ce que je voudrais... On a une scierie. Il faut 2 tissus. Donc on va désactiver les planches directes. Est-ce qu'on va construire la scierie dès qu'on aura la possibilité de le faire? C'est-à-dire maintenant. Elle se fera quand elle se fera, mais du coup on fait 0 planche avec ça. Allez, là il commence à travailler dessus, c'est parfait. On devrait le terminer largement avant que ce machin là s'active. Eux ils sont contents, donc ils nous génèrent de la résolution tranquillement, tranquillement, tranquillement. On n'a plus de tarte, fini. C'est parce qu'ils l'ont mangé, ça leur donne un petit bonus. Alors là, qu'est-ce qui passe? Oui, on a consommé tout ça et tout ça, c'est normal. Pas de stress. Normalement, on a de quoi faire un de ces trucs-là. Hein. Je pense qu'on va prendre l'ambre, hein, parce que les parchemins et les lingots de cuivre... On n'en a pas 14, on en a que 12. Donc on va faire celui-là. Et on va... avancer, envoyer à la citadelle pour gagner un petit bonus de résolution.
Allez, go! On passe en accalmie. Ce sera terminé avant la tempête, c'est parfait. Au niveau du bois, on a encore de la marge. Au niveau de la bouffe, on sent que ça commence à se casser la figure, mais ça va. Ça, il leur faut 1 minute ici, 1 minute 30 ici. Parfait, ils vont terminer à peu près en même temps, donc on pourra les renvoyer couper du bois. Et on a du légume et plein de lin, donc il faut qu'on ramasse du lin. On a un camp qu'il faut, ouais, on a un camp de récolte assez grand pour ramasser ça, donc ça c'est cool par contre. Ça c'est très très cool. Et vous, on va vous poser là, et ce que je voudrais après, c'est que vous me dépiotez tous et tout ce bois là. Pas celui-là. Voilà, là. À deux, vous devriez vous en tirer. On pourra, dès qu'on pourra commencer à ramasser un peu d'argile pour faire de la poterie aussi dans notre cuisine à l'occasion. Alors la scierie, c'est parti, au boulot, on va en enlever un là. Tu nous fais des planches, tu nous fais du parchemin avec du vin et des pigments, pourquoi pas, et du bois, pourquoi pas de cuir par exemple, par contre des fibres de plantes, oui. Et là, des ballots avec la poterie, les tonneaux et la farine, ça me va bien, par contre on va pas en faire plus de 10. Et c'est parti pour des planches. On en est où là? 46 secondes. On va remettre des gens à travailler là. On n'a pas beaucoup de monde à remettre à travailler là, mais on va remettre un petit peu de monde à travailler là. Alors ici, on va lâcher le tissu parce que on a de quoi faire un tailleur. Ah non, zut, le tailleur il fait des manteaux, il fait pas du tissu. Pardon, excusez-moi. Là, la résolution redescend. Ils mangent des tartes? Ah, ils mangent des tartes. C'est pour ça qu'ils avaient une résolution si haute que ça. Allez, 18 secondes là. Là, c'est terminé. Ils sont en train de ramener les trucs. Camp de chasse. Allez, on n'a plus rien avec le camp de chasse. Et on n'a rien popé d'autre d'utile. Par contre, on a un truc à cueillir là. Ouais, mais avec le petit camp, si on peut le faire quand même avec le petit camp. C'est parti. Vous, bah du coup, voilà, c'est fini. On va laisser tomber ça. On va aller chercher des légumes plutôt que les racines, tant qu'à faire. Mais en vrai, c'est vrai qu'on n'a pas une production de ouf en termes de nourriture. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? T'es inactif, pourquoi? Parce que t'as pas ce qu'il faut. Bien triste. Normalement les fibres de plantes ça devrait arriver, mais il faudrait qu'on mette deux personnes à travailler là. Alors ça y est, ils ont terminé, donc on a récupéré quelques castors. C'est parti, hop hop, voilà. Ici on va récupérer encore deux castors le temps qu'ils ramènent tout ça. Du coup il est pacifié, mais il reste là l'avant-poste. C'est pas très cool. Là, un humain et bah, personne d'autre. On n'a pas des humains qui glandent là. On a un là et on a que deux humains, ouais. C'est sûr que ça aide pas. Bah du coup on va devoir en enlever un là. Tant pis, toi il va ramener les trucs tout seul, ça va lui prendre plus de temps, mais... Il faut qu'on ramasse de la nourriture, pas le choix. Et là, il va réussir à nous débloquer un plan hein, à ce rythme-là. On pourrait presque se passer d'un camp de bûcheronnage en vrai.
Un seul, ça suffirait limite, si on n'avait pas besoin de faire de la place. Donc je pense que je vais enlever quelqu'un là et l'envoyer là plutôt. Non, le garder en bâtisseur, on va le garder en bâtisseur pour l'instant. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, une boulangerie, non. Un poste de fortune. Alors on va juste regarder vite fait dans les recettes. C'était culture qu'il nous faut. Ballot de culture, pour l'instant on a que le poste de fortune. Maintenant on a besoin que de 3, donc ça se fait quoi. Allez hop, on va se lancer là-dedans. Un petit poste de fortune. Ici on a que 11 personnes pour l'instant, donc c'est pas la peine de se lancer dans des grands travaux. C'est parti pour les ténèbres. Ah, on a pas débloqué notre plan. Tant pis. Alors peut-être qu'une fois qu'ils l'auront tout vidé, il va disparaître. Ce serait cool honnêtement. Rien à ramasser quoi, c'est ouf. Alors ici, il faut qu'on mette quelqu'un à travailler. Go. J'aimerais que tu me fasses surtout ça, avec un peu tout ce que tu peux. Je vais m'en faire 3. Voilà. Enfin 4 du coup, vu que tu l'as fait 2 par 2. Bon, pour l'instant ça va, pendant la tempête c'est pas trop le drame. Il faut qu'on essaie de refaire un peu nos ressources. De chance d'avoir de la résine, ouais. En fait, ils travaillent plus pour la résine que pour le bois, nos bûcherons. Et la nourriture c'est chaud quand même. Hein. On a que les légumes là-bas pour nous faire de la nourriture, un peu de racines ici. Il va peut-être falloir qu'on aille ramasser des racines. Il va falloir qu'on ouvre une autre clairière et qu'on espère tomber sur un truc cool. Ok. Alors, impôts locaux. Les villageois vous cendront leur tout dernier fragment d'ambre en échange d'une bonne pinte de bière. Toutes les 100 bières, on gagne 20 ambres. Après les racines, ils mangeront de l'écorce. Bah, vu qu'on peut tomber des œufs dans les arbres, ça peut le faire. 40% de vitesse de production pour les arbres. Ah bah oui, carrément. Là, il n'y a pas de question. Là. Et on est reparti pour faire un petit peu de réputation ici. Ok, il nous reste des insectes. Les insectes, on peut les manger. Ah, des artefacts bonus ici. C'est pas si mal les récompenses là, hein. Des tonneaux de bière, des tonneaux, des artefacts, de la farine, on est sur de la bonne récompense. Hyper cher malheureusement avec les outils, mais bon. Alors on a 0 bâtisseur pour l'instant. Ça y est, nos nouveaux arrivants sont là. Des humains et un castor, ça me va plutôt bien. Alors il va falloir une maison de plus, mais au moins on a des gens pour construire. Deux cents de bois, ouais. Il dépote en termes de bois. Alors est-ce qu'on pourrait leur demander de se concentrer à fond pour ouvrir cette clairière? On pourrait leur demander, hein.
Vous venez là. On va essayer d'ouvrir cette clairière là. J'espère en trouver des trucs dedans. Les ballots de culture, ça doit travailler un peu là. Il a été chercher des champignons pour en faire, il est temps. C'est bien les bons, hein, ballots de culture. Ballots de culture, ouais. Bienvenue, vous voulez rester, construisez votre maison, exactement. On n'est pas là pour acquérir des glandus, Roméo. Là il y a beaucoup de bois, hein. Je suis pas sûr qu'il puisse réussir. Peut-être dans la période d'accalmie, elle dure quand même 4 minutes, 3 ou 4 minutes. Et là il est en train toujours de vider ça à son rythme. Pépère, pépère. On va faire un petit peu de chemin. La scierie. On pourrait mettre un deuxième castor dans la scierie. Alors les planches, on va en faire une trentaine, une quarantaine. On a pas mal de bois, mais on va pas non plus trop se faire plaisir quand même. Ah, on a les ballots de culture, c'est parti. On livre et on va voir vitesse de plantage 25% et un ballot de culture de plus à chaque production et 10 balles. Toujours ça de prix. Alors, un plan. Le fumoir, le hall de clan, le scribe, qui peut fabriquer de la bière, le scribe quand même, hein. On apprécie. Le four à céramique, ouais, c'est pas ouf. Là on pourrait faire des outils, ce qui reste d'être utile, même si on n'a pas du tout ce qu'il faut pour en faire. Des céréales et de la poterie. Et là du cuir ou du bois ou des fibres de plantes pour faire des parchemins. Alors la calamitite, pour l'instant j'ai pas du tout le problème. Le fumoir, ça pourrait être bien si on tombe sur une grosse production de viande dans la clairière là. Mais pour l'instant, dans le doute, on va attendre. Eux, ils mangent pas de la viande séchée, hein, non, ils mangent des biscuits et des aliments saumurés. Eux, ils mangent de la viande séchée. Donc la viande séchée, ce serait quand même bien pour deux de nos populations. Ce qui est pas si mal, en vrai. Allez gars, faut progresser. Ici on fait tranquillement de la terre agricole au fur et à mesure qu'on avance, ça fait plaisir. On va avoir notre deuxième plan. Hein. 3,91. Petit à petit. Je pense qu'on va prendre le fumoir. En plus ça va nous permettre de mettre dedans des lézards si on a des lézards qui arrivent. Ok, là c'est le dernier truc qui l'emmène, on va voir si ça disparaît ou si ça reste au milieu du chemin pour faire chier. Ah, ça a disparu, parfait. Ça fait de la place déjà. Rajouter un castor à couper du bois. Alors, on peut choisir des missions. C'est parti. Objectif. Les castors à 22 de résolution pendant 60 secondes. Ils sont à combien là? 16. Voilà. 22, ça peut être tendu. On n'a pas vraiment ce qu'il faut. Ou alors, 12 ballots de provisions et 12 ballots de culture. La vitesse de production de tous les ballots de marchandises est augmentée. On gagne des tonneaux et des biscuits. Je pense qu'on va partir là-dessus. Et là, des récupérateurs d'eau de pluie et de la rosée, et on a des bonus de lingots de cuivre, ça nous sert à rien. Mais genre à rien du tout quoi.
3 clairières et 2 anciennes tablettes. Et on gagne 20 poteries à chaque fois qu'on a une nouvelle clairière. Putain, les deux sont pas ouf. Ça c'est assez facile à faire, mais les résultats, les récompenses sont nuls. Ça c'est très dur, parce que les tablettes, c'est pas sûr qu'on en aura. Et 3 clairières, vu nos clairières, voilà. Les récompenses sont pas mal, mais ça nous servira très peu. On va quand même partir là-dessus, ça se fera dans le temps. Donc lui, on va le laisser travailler sur les ballots de provisions également. Il en faut 12 cultures, 12 provisions. Allez, c'est parti. 12. 12. Tu peux les faire avec du comme ça. Et puis des œufs, si on en trouve. On peut en trouver dans les armes, des œufs. Qu'est-ce qui se passe, toi ? On a 40 planches, c'est ça ? Mes planches. Oui, on a 40 planches. Du coup, vous êtes trop pour travailler là-dessus. Bah, on va en mettre qu'un seul à travailler là-dessus. Et on n'a pas du tout ce qu'il faut pour ça. Et on n'a pas du tout ce qu'il faut pour ça. On a moyen de faire des pigments. Non, on a zéro moyen de faire des pigments. Ok, bon, on va passer à... On peut taper. 60 planches. On va le laisser tout seul à travailler. Là, on pourrait mettre un humain, là. Ce serait plus efficace. Et ici, pareil, on peut se permettre de mettre une personne de plus pour avoir plus de plantes. Et en plus, on dirait qu'il trouve de l'argile. Alors, le négociant est arrivé. Farluf le vieux. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Plus de production de tonneaux. Les caches découvertes dans les clairières peuvent désormais être recycler 10 minerais de cuivre et 30 bois pour chaque cache, ok. Ou alors 0,5 de réputation. On a 45 quand même, hein. On peut prendre ça, c'est pas mal. Et ça. Ça va donner le petit bonus de réputation pour avoir le truc. Et là, du coup, là, commerce protégé, faut qu'on vende pour que ça fonctionne. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement vendre ? Il est bien, il est content d'avoir ça, donc on peut vendre ça. L'argile, c'est que 0,14, c'est pas ouf. Les briques, il aime bien les briques. On va vendre les briques. Un petit peu de résine, on va la garder, la résine, au cas où. Avant de vendre, on va peut-être attendre de voir si on peut ouvrir cette... cette clairière avant qu'ils partent, ce serait cool. Niveau des plans, ça serait cool un truc pour faire de la farine. La presse, c'est pas ouf pour faire de la farine. Ah, ça pourrait nous permettre d'exploiter les petits champs là. On va direct en faire une. Même si ça reste des petits champs, c'est quand même pas mal. Allez, ouvrez-moi ça avant la tempête, s'il vous plaît, quoi. On va pas avoir le temps de faire l'événement. Mais bon, la tempête dure normalement pas si longtemps que ça. Ok, ici, il nous faut des humains à mettre. Un humain, et du coup, je pense qu'on va en enlever un là. Et on va en rajouter un ici, ça sera plus intéressant sur la fermette. On a 4 humains en tout, il est où le quatrième ? Et dans le camp de récolte. On va le laisser. Non, on va se concentrer sur la bouffe. Bon, on va être un peu plus rentable. On va être toi, on va te virer, on va te mettre là à la place. Faut nettoyer ça là. T'as besoin de l'ouvrir de 25 endroits à la fois. Toi, tu vas arrêter ça, tu vas travailler sur ça plutôt. Alors attends, si on veut être dans la bonne portée pour qu'ils se concentrent, on va enlever tout ça, voilà. Et on va les faire travailler là-dessus. En avant. Pillez-moi ça.
Bon, on n'aura pas ouvert la clairière avant qu'ils arrivent. Donc on va te vendre des trucs. Toc. Quelques briques. Quelques planches. Mais si ça t'intéresse pas des masses, on va te vendre deux tissus. Des composants non. Du bois, on en a quand même foison. Ok. Les outils, certainement pas. Le cuir, on peut. C'est juste un truc qui traîne comme ça. L'argile, on va tout vendre. Non, on va pas tout vendre parce que pour l'instant, on n'en ramasse pas. On n'a pas de quoi en ramasser. On est à 19. On est à 19. Non, on va partir là-dessus. Tant pis, on peut pas faire beaucoup mieux. Pourquoi tu coupes cette arme? Coupez pas cette arme, je vous ai pas demandé de couper cette arme, bordel. Il y a suffisamment d'arbres à couper là. C'est dingue ça. Comme si on avait le temps de glander. Alors, on n'a pas récupéré suffisamment d'outils, hein. On a que 10. Hein. Allez, là, il reste un arbre et on a ouvert. Espérons que c'est pas un événement qui va nous pourrir la nourriture, parce que c'est chaud la nourriture. Et ici, il va falloir un petit peu de temps pour qu'il plante et que ça sorte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, des petits champignons, des grands dépôts de racines, des grands nids de rapaces, une grande cache abandonnée et un fouque-flamme. Un esprit de fouque-flamme, il ravagera toute la colonie s'il n'est pas maîtrisé. Fantastique. La simple présence d'un esprit de feu peut survivre à provoquer une confusion spontanée. Il détruit tous les combustibles stockés. Oh putain. La rosée, il faut... Oh, 10 outils, merci quoi. Et là, les combustibles stockés dans l'entrepôt de la colonie disparaissent à hauteur de 3 unités toutes les 15 secondes. Bah en avant, ouais, il faut du monde là. On va libérer quelqu'un là. On va faire ça avec des outils. Hop, alors qu'est-ce qu'on prend? Ah, des tablettes, ça c'est cool. On va prendre, parce que là on a un truc où il faut des tablettes là. Bon, par contre on va perdre masse de combustible. Allez, tu m'étonnes, il a l'air un peu vénère l'esprit. Hein. Par contre, du coup, au niveau des trucs qu'on peut ramasser... Ah, on a le camp de chasse qui permet de ramasser ça, donc c'est pas mal, on va le bouger là-bas. On va vous demander de couper un peu tout ça pour faire de la place. Allez au boulot, 3 minutes, la tempête va commencer, mais c'est pas grave. On a personne à mettre dedans, il faudrait qu'on ait des petits lézards. On prendra peut-être des lézards du coup, le prochain coup, parce que les lézards sont efficaces pour tout ce qui est traitement de la viande. En plus on a un fumoir maintenant. Waouh, le bois, pff, ça tombe. Ça tombe. On va passer bientôt au niveau d'hostilité 1. Pour l'instant, on n'a pas ces trucs là qui sont dangereux. Par contre, faut avouer que les trucs qu'on a trouvés sont quand même pas dingues. Hein. Là, on va pouvoir ramasser quelques petits champignons également. On va le poser là. Si on trouve suffisamment de personnes. Ce campement, il nous donne quoi? Pioche en acier, plus de la production de pierre. On a 0 pierre. Par contre, des pigments et des roseaux, c'est pas mal, mais je pense qu'on prendra sûrement ça. Bon, de toute façon, 14 outils. Quand est-ce qu'on aura 14 outils, quoi? À quel moment vous voulez qu'on ait 14 outils, les gens? Sérieusement. Soyons sérieux. 2 minutes.
Alors toi par contre, clairement, il y a de quoi ramasser. Hein. Faut pas déconner, au travail. Je me demande si ma petite fermette, en la mettant là, non. Si je la mets ici, elle pouvait ramasser un peu de ça et un peu de ça, mais autant qu'à faire, autant qu'elle soit là. C'est quand même plus efficace. C'est Zorg, notre prochain négociant. Et on va faire de la route parce que là on voit qu'ils ont du mal quand même à ramasser de la nourriture et à nous amener de la nourriture. Hein. Ok, là c'est bien, ça va vite, ça c'est cool. Donc on va passer tranquillement cet événement. Il nous manquera... On va réussir celui-là, le tic-tac. Lui, il travaille tranquillement également. 6 sur 6. Alors c'est pas bien de le dire, mais ça se passe pas trop mal. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Il faudrait qu'on ramasse un peu d'argile, il faudrait qu'on aille chercher un peu de nourriture. On a notre pilier. Alors, d'étranges racines se répandent au travers du pays. La production de bois est augmentée de 1, mais la vitesse de récolte et de plantage est réduite de 25. Ouais. Ou alors... Vous obtenez 15 ans à chaque fois qu'un groupe de nouveaux villageois arrive, mais vous perdez tout votre ambre au moment de choisir ce pilier. Ouais, on va prendre ça, on n'en avait pas beaucoup d'ambre, on devait en avoir 7. Et là, on peut rendre ça. Parfait. Marchandise reçue, 30. Ouais, on a dû réussir ce truc-là et on a un bonus qui nous fait des œufs. C'est parfait. Alors, le moulin à pluie, pas mal pour faire de la racine. Des maisons pour castors. On a quand même 9 castors. Mais la farine, ça manque quand même. Hein. On est d'accord que là, on a déjà le fumoir et la boulangerie. Mais on n'a pas du tout de quoi faire de farine. Farine. Ah si, on peut en faire dans la pourvoirie. Autant pour moi. Donc c'est pas forcément une priorité. J'ai pas fait de pourvoirie encore ? Non. J'ai pas fait de pourvoirie. En même temps, on n'a pas masse de monde. Hein. Et on va probablement devoir en lancer une, d'ailleurs, du coup. Oh, c'est gros. C'est parti. Il faut quoi ? Du tissu et des planches, ok. Du coup, ça c'est pas ouf. Ça, on a déjà plutôt ce qu'il faut. La cuisine qui reste pas mal. Hein. On peut faire pour l'instant dans la boulangerie qui fait des biscuits, des tartes, et le fumoir qui fait de la viande séchée. La cuisine nous propose des brochettes et des pigments. Mouais. Du coup, la maison des castors est pas si mal. On va prendre la maison des castors. Plus il faut des planches, on en a plein. Putain, elle est grosse par contre. Allez, c'est parti. Alors on a zéro bâtisseur pour le moment. Hein. Mais eux, ils vont finir de vider leur truc et ça va se débloquer. On a aussi des nouveaux arrivants qui vont arriver. Les missions, on n'en a pas des nouvelles. Les routes commerciales, est-ce qu'on a des trucs intéressants? De la pierre, on n'a pas ce qu'il faut. Ah, des planches ici, c'est pas mal des planches. Ouais, on va envoyer des planches. Tant pis, on crame des ballots de provisions, mais c'est pas si mal. Rappelle qu'on a toujours ce truc-là, là, qui fait que quand on vend, ça nous donne des bonus. Hein. Ça réduit l'hostilité. Libon, ils veulent des trucs un peu... Là, on pourrait envoyer quelques ballots de culture pour des ballots de provisions en avant. C'est parti, donc là on repart à zéro ici, mais c'est pas grave.
c'est pas grave, c'est assumé. Par contre, là, on n'arrive plus à maintenir parce qu'on a le moins 2 à cause de l'hostilité de la forêt. Et bah, tant pis, c'est comme ça. Si on a des lézards qui arrivent, on va prendre des lézards et on va essayer de faire, faire de la viande séchée avec notre fumoir. Voilà, 2 lézards, parfait. Hop, c'est parti, on fait le fumoir. Donc, pas besoin de leur faire des maisons, parce que quand les castors vont prendre leur maison de castor, ça va libérer les maisons normales. Alors, vous, vous travaillez sur plus rien du coup. Donc on va vous remettre ici, et on va demander de nettoyer ça. Le foyer, il va jusque là. Nettoyer ici pourrait être pas mal également. Ça va être votre travail à vous. Commencer à travailler cette zone. Alors, avec les gens qu'on a en rab, donc eux ils vont aller au fumoir. Ok, donc on n'a pas vraiment. On va peut-être en mettre un là quand même. Vu que c'est bonus de spécialisation de viande. Et là c'est de l'alchimie, il nous faudra des harpies si on voulait vraiment être rentable là. Donc pour l'instant on va pas le faire. Ici on va pouvoir remplacer ça par une petite fermette. Il reste combien de charges là? 14. Ils finiront pas pendant la brune. En termes d'outils, on en a plus que 2. Donc pour l'instant, pas trop de stress. On fait des légumes et du céréal, très bien. Allez, construisez. Plus vite que ça. Alors, la pourvoirie. On va mettre un humain dedans. Il va nous faire de la farine avec tout ce qu'on a. Des tonneaux où il n'y a pas trop moyen. Et des ballots de provisions. Est-ce que c'est plus efficace? C'est 2 étoiles. C'est carrément plus efficace que ça. Donc tu vas en faire avec des œufs, du ça, du ça, du ça, tout ce que t'as, c'est pas grave. Par contre, on a dit la limite c'est 12. En avant. On n'a plus assez de planches. Mais là, il travaille à ses planches. Ok, pas de problème. On va faire là une maison pour Castor qui va libérer un petit peu de place. Normalement, Castor devrait privilégier cette maison là. Parfait, il n'y en a plus que un qui est sans abri. C'est dommage pour lui, mais c'est toujours ça de prix. Et ici, on va bientôt récupérer 2 Castors. Alors toi, c'est quoi ton problème? T'as rien pour fabriquer ça. Bah écoute, pour l'instant, attends un peu d'avoir de quoi faire fabriquer ça. Qu'est-ce que je te dis? Je veux mes 12 ballots. Débrouille-toi. J'avais pas vu, mais il est temps d'arrêter l'épisode de VOD. Il est suffisamment long, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez dire dans le chat un petit au revoir à la VOD, je vais boire mon petit coup habituel. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde !